Bonjour à tous, bienvenue sur Bassin AZ, le tour de France de vos bassins. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors comme vous voyez, c'est enfin le printemps, je peux vous dire qu'on l'attendait. Alors, les poissons à la sortie de l'hiver, c'est comme les humains, ils ont besoin d'un petit coup de peps. Donc aujourd'hui, je vais vous partager la recette de mon ami Michel Dardenne à base d'Alvitil Défense. Donc c'est parti, on voit ça tout de suite. Alors, comment ça fonctionne cette recette? Qu'est-ce que vous avez besoin? Vous avez besoin, là pour la recette, on va partir sur 200 g de pellets. Vous avez besoin d'argile de montmorillonite, donc une cuillère à café. Une cuillère à soupe d'Alvitil Défense. Moi, j'ai fait une petite modification, j'ajoute une gousse d'ail et donc de l'eau. Alors attention, cette recette se conserve pas plus de 12 heures. Donc vous pouvez la préparer le matin, vous en donnez le matin, le midi, le soir. Là, les températures recommencent à remonter, donc vous pouvez augmenter un petit peu la dose journalière de nourriture à vos coilles. Comment ça fonctionne? Je vous montre ça tout de suite. Alors, je vais revenir un petit peu sur ce que j'ai dit. C'est vrai qu'à la base, la recette est partie sur 200 g de pellets. Mais moi j'ai une dizaine de coilles et en ce moment, c'est vrai que théoriquement, il faudrait une dose de 400 g par jour suivant le certain tableau. Mais ce tableau en fait prend en compte la quantité de nourriture en été. Donc même si les températures ont bien remonté, là je suis à 17 degrés environ, honnêtement si elles arrivent à manger 100 g par jour, c'est beaucoup. Donc je vais réduire les doses et les quantités à 100 g de pellets. Vu que je viens de réduire les pellets, bien évidemment, je vais réduire effectivement de moitié l'eau. Quand on parle d'eau, l'idéal, c'est de prendre de l'eau tiède. Pourquoi? Ça, je vous l'explique après. C'est pour que le mélange soit plus homogène. Et au lieu d'une cuillère à soupe d'Alvitil, je vais prendre une cuillère à café. Donc, on va commencer déjà par l'ail. Donc, idéalement, c'est de partir sur une. Si vous avez un centrifugeur, une centrifugeuse, pardon, c'est beaucoup mieux. Plus vous récoltez du jus d'ail, mieux c'est, mieux ça va se diffuser. Bon, moi, j'ai qu'un pressail. Donc, je vais prendre mon pressail. Je vais presser mon ail. Je vais essayer de récupérer un maximum de jus. Malheureusement, bon, avec le pressail, c'est moins possible. Donc vous verrez, à l'intérieur, il reste toujours un petit peu pressé jusqu'au bout. Moi, je racle un petit peu. Hop, et je vais represser. Hop là, je represse. Je dégage mon surplus d'ail, donc j'ai mon ail. Ça, c'est le premier élément. Donc la gousse d'ail est mise. Ensuite, on utilise donc de l'Alvitil Défense, hein, vraiment la défense. En fait, elle est vraiment très très bien et comme vous pouvez le voir, vous avez du propolis dedans, elle est riche en vitamine C et D. C'est très très bon pour les défenses immunitaires de vos poissons. Donc j'ai réduit les doses, on part donc sur une cuillère à café seulement au lieu d'une cuillère à soupe. Donc je mets mon Alvitil dans le petit récipient où il y a l'ail. Alors pourquoi je fais ça? Je vous explique après, on va incorporer l'argile et l'eau tiède. Et en fait, l'Alvitil, je range tout de suite, je ne laisse pas traîner au soleil. Donc voilà, là je mélange, bon, vite fait mon ail à l'Alvitil. Et maintenant on va passer à l'argile. Donc moi j'utilise de la biota, je vous ferai une vidéo dédiée là-dessus. Puisque moi je m'en sers une fois par semaine dans le bassin,
Donc je vous expliquerai à ce moment-là, le jour de la vidéo. L'argile, c'est très riche en minéraux. Donc là, on part sur une cuillère à café d'argile. Alors là, quand je dis argile, bien sûr, c'est de l'argile de Montmorillonite. Voilà, donc j'ai ma cuillère à café d'argile, je vais la mettre. Hop là. Hop, si j'oublie ça. Hop, je refais dans mon argile. Alors idéalement là pour on va rajouter l'eau. Idéalement on part sur de l'eau tiède. L'eau trop chaude, c'est pas très bon. Trop froide non plus. Donc là je prends de l'eau tiède pour faire le mélange avec l'alvitil, l'ail et donc l'argile. Donc là on mélange l'ensemble. Ça va permettre en fait de répartir homogéniquement l'alvitil. Alors on mélange tout ça. Hop, eau, ail, alvitil. Pourquoi on fait dans cet ordre-là? Puisque moi au départ j'ai fait une petite erreur et effectivement je vois la différence par rapport à ce que m'a expliqué Michel. Si vous voulez que l'alvitil qui est assez visqueux, si on avait mis les grains avant, va faire une couche autour des grains. Là, l'alvitil est mélangé avec l'eau, l'argile correctement. Donc voilà, j'ai bien mélangé. Et donc, on va pouvoir incorporer nos pellets. Donc voilà, les pellets, ils sont dedans. Hop là. Alors en fait, le mélange comme ça va bien pénétrer dans les pellets. Ça va faire un mélange homogène. Donc là, vous attendez environ, vous mélangez, vous attendez 2-3 minutes que ça s'imbibe. Voilà, on va laisser 2-3 minutes. En attendant, vous avez peut-être vous d'autres recettes, donc n'hésitez pas à nous les partager en commentaire, ça serait sympa. Je pense surtout à mon ami Patrick Bossu, qui lui fait une autre recette. Donc Patrick, si tu vois la vidéo, tu n'hésites pas, tu nous remets en fait ta recette en commentaire, histoire de nous la partager. Alors au début, vous allez sûrement y aller à tâtons. Faut pas que les pellets soient trop secs, pas qu'ils soient trop imbibés, donc faut trouver le juste milieu. Faut vraiment que tout pénètre à l'intérieur. Donc je le rappelle, au niveau de l'ail, bon bah là moi j'ai qu'un presse d'ail. Hein. Si vous avez une centrifugeuse, idéalement c'est de garder le jus d'ail. Donc attention, c'est pareil, ça je prépare vraiment ma dose journalière, puisque cette préparation ne va pas se garder plus de 12 heures. Et quand je dis 12 heures, bien évidemment, c'est 12 heures au frigo. Donc là les températures sont montées un petit peu. Vous allez pouvoir donc augmenter un petit peu la dose de nourrissage. Donc un petit peu le matin, un petit peu le midi, un petit peu le soir. Entre-temps, vous conservez ça au frigo. Donc on mélange. Hein. Alors moi, là on est encore au printemps, donc j'utilise du wheat germe, j'en parle assez souvent. Là c'est du 50-50, moitié flottant, moitié coulant. Donc on attend 3-4 minutes. Que les pellets absorbent en fait le mélange. Alors bien évidemment, c'est sûr, vous allez faire votre préparation journalière.
C'est une cure idéalement qui est prévue pour 10-12 jours pour vraiment renforcer les défenses immunitaires de vos poissons qui, à la sortie de l'hiver, en ont réellement besoin. Comme je le disais pardon, au début de la vidéo, hein, c'est comme pour les humains. Après l'hiver, on a un peu moins de défense. Donc là, encore une fois, l'alvitil riche en propolis, vitamine C et vitamine D. Vous voyez là, au bout de 2 minutes déjà, ça commence à bien rentrer dans les pellets. On attend encore un tout petit peu. Voilà, donc ça fait 3-4 minutes, là ça commence à être pas mal. Donc idéalement, vous faites ça le matin, bien sûr, hein, ce qui permet en fait de leur donner la quantité journalière répartie en 2 ou 3 doses dans la journée. Vous leur donnez et le restant, vous le placez tout de suite au frigo pour pas que ça soit abîmé. Donc je vous rappelle, ça ne se conserve pas plus de 12 heures au réfrigérateur. Ouais, bon, le problème c'est qu'elles ont dû remanger. Je sais pas si je vais pas en mettre beaucoup. Alors voilà, hein, c'est comme chez les humains, ils ont besoin d'un petit temps d'adaptation avec la nourriture. Donc n'ayez pas peur si au départ elles font un petit peu leur timide. C'est pour ça que la première fois que vous donnez une petite dose, le temps qu'elles s'habituent un petit peu au goût. Mais vous verrez que très rapidement ça passe. Bien sûr, là, comme par hasard, elles vont manger à l'abri sous la terrasse. Ça, elles aiment bien. Donc, vous voyez, c'était pas compliqué comme recette à faire. Ça se fait en ouais, 5 minutes, 10 minutes en préparant le matériel maximum. Et donc vous faites une petite cure qui va durer à peu près 10-12 jours. Voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu. Pour les nouveaux, n'hésitez pas également, si vous aimez ma chaîne, à vous abonner. N'hésitez pas à consulter les autres vidéos. Vous y trouverez plein de conseils et des tutos. Quant à nous, on se dit à bientôt pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous. Bye!